De passage dans Clic sur Canal+, ce mercredi 1er février, Philippe Lachaud s'est souvenu de la fois où il a invité Mouloud Achour chez lui pour une soirée poker. Mais au moment de l'accueillir chez lui, l'acteur s'est rendu compte que l'invitation n'était pas parvenue à la bonne personne. Philippe Lachaud fait incontestablement partie des acteurs français les plus sollicités ces dernières années. À côté de cette belle carrière d'acteur, le compagnon d'Élodie Fontan, qui n'a pas hésité à lui faire une blague sur le tournage de leur dernier film, se passionne pour la réalisation. Si est-ce la raison pour laquelle il était autant présent derrière la caméra que devant dans Baby City et Alibi. Comme dont le second volet sortira le 8 février prochain. À l'occasion de cette actualité, il était sur le plateau de Clic sur Canal+ aux côtés d'Ariel Dombal. Philippe Lachaud, bloqué dans une situation très embarrassante, c'était fou, c'était horrible, toujours prêt à raconter d'amusantes anecdotes, Philippe Lachaud s'est souvenu de la fois où il a invité la mauvaise personne à sa soirée poker. Jusque-là, rien de grave, sauf qu'il ne s'en est pas rendu compte. Jusqu'à ce qu'il sonne chez lui, c'était fou, c'était horrible. Étant ami avec Mouloud Achour, il lui a envoyé un message pour le convier à l'événement. Il m'a dit, mais grave, ça me fait trop plaisir. Tellement qu'il était nombreux pour jouer dans son appartement, l'acteur a même dû installer deux tables. Bref, tout le monde était prêt pour accueillir l'animateur télé qui s'est fait désirer en arrivant le dernier. Je me suis trompé de Mouloud après de longues minutes d'attente, le fameux Mouloud a sonné. Il ouvre la porte, et là en fait, je me suis trompé de Mouloud, se souvient-il, très gêné en réalisant son erreur. Il avait en fait envoyé un message à un gars avec qui, il, était au collège, je l'aimais beaucoup, mais je ne l'avais jamais revu de ma vie. Pour ne pas le vexer, il a dû vite se reprendre et l'inviter à entrer. « Hey Mouloud, ça va ?» lui a-t-il demandé, prétendant être très heureux. Mais ses invités ont vite compris qu'il y avait un problème, d'autant plus que son ancien camarade est celui qu'il a éliminé du tournoi. Une situation qu'il avoue avoir été très très gênante. Clic, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. À lire aussi Je suis en état de choc, Philippe Lachaud piégé par sa compagne Élodie Fontan, il assure qu'il y aura vengeance.